Dans Demain nous appartient, Raphaël et Camille reviennent à 7. L'avocate fait une proposition à Martin. Soraya refuse de défendre Samuel, qui reste détenu. L'état de Victoire s'aggrave. Mercredi 24 janvier dans Demain nous appartient. Adam aperçut que quelque chose se tramait entre ses parents mais François lui ment et lui dit que Soisic était juste venu prendre un café. Le mensonge de François ne convainc pas Adam qui est sûr que sa mère et son père sont de nouveau ensemble. Adam rappelle à François qu'il avait ramassé sa mère à la petite cuillère lorsqu'il l'avait quittée. François dit à Soisic qu'Adam les a grillés. Ils tombent d'accord pour laisser leur fils en dehors de leurs histoires. Heureuse de leur retour de flamme, Soisic embrasse François, ignorant que Nathan est témoin de leur baiser. Quand Charlie débarque au Spoon, Nathan est mal à l'aise. Il finit par lui avouer qu'il a vu François et Soisic s'embrasser. Charlie accuse le coup. Plus tard, Christelle et Sylvain lui disent qu'elle va pouvoir tirer un trait sur François mais Charlie est folle de rage et doute de la sincérité de François pendant leur relation. Christelle lui conseille d'avoir une discussion avec lui. Charlie donne rendez-vous à François au Spoon. Face à Charlie mutique, François dit que la situation est difficile pour lui aussi mais que tout ça est pour le mieux. Blessé, Charlie le gifle et part du bar. Demain nous appartient en avance, Raphaël revient à 7 avec Camille Martin informe Sébastien qui l'ont embauché Timothée a laissé au sein de la PTS. Sébastien ne s'oppose pas à son recrutement mais lorsqu'il apprend qu'il s'agit du fils de Victor Brunet, il demande à Martin de garder un œil sur lui. Au même moment Martin reçoit un message de Raphaël qui lui annonce que Camille va pouvoir porter un bracelet électronique. Elles vont pouvoir rentrer à 7 le soir même. Martin pense que le procureur était au courant mais il n'est rien et Sébastien est vexé que sa fille ne l'ait pas prévenu en premier. Plus tard, Sébastien rejoint Maud pour l'aider à faire le ménage dans la maison. Le procureur n'est pas très doué avec une éponge. Martin passe déposer à manger pour le dîner chez Raphaël, avant d'aller la chercher elle et Camille à la gare. Sébastien, qui compte leur faire la surprise, est déçu de ne pas pouvoir aller les chercher lui-même. Martin lui propose de l'accompagner mais il décline. Tout au bonheur des retrouvailles, il retrouve le sourire à leur arrivée. Ils trinquent tous ensemble. La nuit venue, Raphaël et Martin peuvent enfin partager un moment intime. Raphaël lui propose d'aménager avec elle. Martin accepte aussitôt. Demain nous appartient en avance, Samuel est en prison Georges est au chevet de Victoire, qui se trouve dans le coma. Renaud lui dit que son état reste stable. Georges pense que Victoire a été victime du chauffard qui avait renversé Renaud la semaine précédente. Un témoignage vient confirmer à Karim qu'il s'agit de la même berline noire. Malheureusement, le témoin n'a pas eu le temps de noter la plaque d'immatriculation. De retour au commissariat, Georges reproche à Samuel d'avoir mis Victoire en danger. Samuel veut voir Victoire mais Georges lui dit de rester loin d'elle. Plus tard, Georges reçoit un message de Roxane. Le SMS de menace qu'avait reçu Samuel a été envoyé depuis une application et il est impossible de retracer le numéro. Lorsqu'elle le rejoint sur la plage, Mélodie voit tout de suite que Georges ne va pas bien. Il lui confie que Victoire, son ex, est dans le coma. Demain nous appartient en avance, Soraya refuse de défendre Samuel. Samuel a désigné Soraya pour être son avocate mais elle refuse d'assurer sa défense.
Samuel dit qu'il aime Victoire et veut juste que Soraya le fasse sortir pour aller à son chevet, mais Soraya ne cède pas. Elle lui conseille de changer car il fait trop de mal autour de lui. Une fois dans la chambre de Victoire, Soraya dit à Adeline qu'elle ignore si elle va défendre Samuel. Elle confirme à William qu'il a fait appel à ses services mais qu'elle a décliné parce qu'elle le tient responsable de ce qui est arrivé à Victoire. William assure que Samuel n'a jamais voulu la mettre en danger et qu'il la aimait sincèrement. Adeline ne comprend pas les hésitations de Soraya. Elle lui confie que lors de leur dernière conversation, Victoire avait demandé à Soraya de défendre Samuel. Si est-il ce qu'elle voudrait? Demain nous appartient en avance, Georges est-il encore amoureux de Victoire? Karim prévient la police de Montpellier qu'ils ont retrouvé l'auteur du délit de fuite. Dans sa déposition, Samuel a indiqué que l'homme qu'il avait renversé s'était relevé et ne semblait pas blessé. Georges n'a pas pu avancer sur l'enquête. Il se demande si une ex ne chercherait pas à se venger de Samuel en s'en prenant à Victoire. Le soir, Georges retourne auprès de Victoire. Cet accident lui a fait prendre conscience à quel point il tenait à elle. Bien qu'une belle histoire se profile avec Mélodie, il se demande s'il a vraiment tourné la page. Demain nous appartient en avance. Victoire est dans un état critique. Va-t-elle mourir? Alors que Georges est auprès de Victoire, soudain, l'état de la jeune femme s'aggrave. Il appelle à l'aide. Victoire va-t-elle s'en sortir vivante ?